Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci d'être connecté ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. C'est Laetitia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Connectons-nous, connectons-nous. Que Dieu te bénisse, Mangobi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Oh, homme de Dieu, le révérend Serge Zabatou, que Dieu te bénisse abondamment. Notre sœur Anna, que Dieu te bénisse. On se connecte, on partage notre vidéo. Que Dieu bénisse. Encore davantage, l'homme de Dieu, le pasteur Serge Medjabatou, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On partage la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On donne une ou deux minutes, le temps que les autres se connectent. Et nous allons commencer. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Si nous pouvons partager aussi la vidéo. Gloire à Jésus. Reçois l'adoration. Gloire à Jésus. Reçois l'adoration. Il est le roi, notre Dieu. Gloire à Jésus. Qu'il soit béni l'Éternel. Encore quelques minutes, nous allons démarrer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité dans nos programmes de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Venise, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre sœur Muriel, que Dieu vous bénisse. Dans deux minutes, nous allons commencer. Comme ça, nous donnons aussi le temps à d'autres de pouvoir se connecter.
Et surtout, n'hésite pas, appuie seulement sur le bouton et tu partages aussi la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes en ligne à partir du téléphone. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, Freddy. Que Dieu te bénisse abondamment. Encore une minute et nous allons démarrer. Je sois l'adoration, tu es le roi. Il est le roi des rois. Entre victoire et dîner. Alléluia. Qu'il soit loué notre Dieu. Qu'il soit loué notre Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni notre Dieu. Shalom, shalom à tout un chacun. Que la paix de notre Dieu vous localise partout là où vous êtes. À notre troisième jour de jeûne et prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Donc, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous allons prier pour démarrer notre programme. Dieu notre Père, nous recommandons entre tes mains. Voici ton peuple réuni éternel. À ces instants, éternel mon roi, non pas pour m'écouter, mais pour t'écouter. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment, bien-aimés. Merci pour votre présence. Merci encore à notre Dieu qui nous donne sa grâce de pouvoir être là, en forme, partager sa parole et prier le Seigneur. Alors, aujourd'hui, comme notre thème, c'est toujours l'assaut final, nous sommes dans notre quatrième partie où nous voulons écouter la parole et prendre aussi du temps dans la prière. Alors, n'hésite pas, tu peux partager aussi la vidéo pendant que nous sommes en train de parler et Dieu va encore nous bénir abondamment. Notre texte de base, ce soir, c'est dans les livres de 1 Roi au chapitre 18e. 1 Roi chapitre 18, verset 20 au verset 39. Donc, 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 20e jusqu'au verset 39e. Mais comme c'est un long chapitre, je vais commencer seulement à prendre partie et nous allons évoluer. Alors nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Acab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les dieux, le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu
et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent, le verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna, et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et ils firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des deux mesures de semence. Verset 33. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et il les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une deuxième fois. Et ils les prirent une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. La Bible dit au verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. » Le dernier verset, le verset 39, « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un moment où nous sommes en jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de jeûne et prière. Et nous croyons à la fidélité de Dieu. Nous croyons que Dieu est le Dieu qui est puissant. Nous croyons que Dieu est le Dieu qui se manifeste. Et lorsque Dieu se manifeste, nous sommes dans la joie et nous sommes contents. C'est l'objectif même, bien-aimé, de la prière. Au moment où nous cherchons Dieu, c'est pour que Dieu puisse se manifester. Et quand Dieu se manifeste, ça apporte la joie. Et je crois de tout mon cœur que l'Éternel va apporter la joie dans la vie de quelqu'un ce soir. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu est toujours là pour consoler son peuple. Dieu est toujours là pour apporter les réconforts dans nos cœurs. Par rapport à cette histoire, je vais aller un peu plus rapidement. Vous savez, l'homme dont le prophète dont nous sommes en train de parler, la Bible l'appelle Élie le Tishbite. Nous ne connaissons pas vraiment son enfance parce que la Bible ne nous a pas parlé de cela, mais la Bible nous parle directement de lorsqu'il a apparu, il a commencé par une sentence en disant qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et c'est là s'est réalisé. Et après, bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse pour dire, il y a certaines choses, Dieu permet, il y a certaines circonstances, Dieu permet dans nos vies, ce n'est pas pour que nous puissions mourir, mais c'est pour que sa gloire soit vue. Même s'il y a des circonstances dans ta vie, même s'il y a des problèmes qui t'arrivent, je vais te dire une réalité, tu ne mourras pas parce que Dieu est au contrôle. Amen. Il permettra peut-être ce soir, Dieu peut utiliser le son de ma voix pour apporter la solution à ton problème. Amen. Dieu peut utiliser le son de ma voix pour
t'orienter afin que tu ailles dans une bonne direction. C'est en cela que Dieu est en train de te parler. Et nous voulons parler du Mont Carmel. Et ça, c'est très important. Ce soir, comme hier, bien-aimé, nous avons parlé sur la montagne de Sinaï. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur le Mont Carmel. Bien-aimé, nous avons déjà entendu des prédications. Mais je crois que malgré qu'on a entendu, il y a toujours une parole, il y a toujours une pensée que Dieu communique à chaque fois qu'un homme de Dieu s'élève pour parler. Alors, la Bible dit que quand ces choses se sont produites, Élie, qui était venu pour rétablir l'autel, qui était venu pour rétablir la justice de Dieu, qui était venu pour rétablir l'ordre divin parmi les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi dans notre vie, il y a aussi des circonstances que Dieu permet, c'est pour rétablir l'ordre dans nos vies, c'est pour rétablir l'ordre dans l'église, c'est pour rétablir l'ordre dans tout ce que nous faisons. Et lorsque nous ne comprenons pas, nous pouvons dire que Dieu nous a abandonnés, nous pouvons dire que Dieu nous a relâchés, Dieu nous a frappés, mais il y a certaines choses que Dieu utilise simplement pour nous ramener à lui. Et la Bible nous dit que Élie est venu après que il a ressuscité les fils de la veuve de Sarepta. Il va maintenant à la rencontre d'Akab, parce que Akab était marié à Jézabel. Et Jézabel, son rôle, c'était de pervertir cet homme, de changer son cœur. Juste une parenthèse, ma soeur, mon frère. Nous devons faire très attention par rapport à notre choix dans la vie. Le choix dans le mariage, le choix dans ce que nous faisons. Tu peux croire que tu es en train de marcher et ce que tu fais est bon. Et pourtant, ça peut t'amener aussi dans une condamnation. Ça peut aussi t'amener à te dérouter. C'est pourquoi c'est très important dans la vie de savoir bien choisir. Quand tu fais ton choix, bien aimé, Dieu ne nous impose pas le choix, mais il te laisse faire le choix. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons que les choix que nous faisons soient conformes avec la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Dieu te parle, tout dépend de toi. Il y a d'autres, Dieu parle en utilisant la parole de Dieu. D'autres, Dieu peut te parler par des songes, par des rêves. Dieu utilise ses moyens pour communiquer une pensée. Et c'est très important. Élie vient maintenant. Il se présente devant le Mont Carmel. Et vous savez, le Mont Carmel, c'est une montagne qui se situe au nord-ouest d'Israël, près de la mer Méditerranée. Alors, là, il s'est présenté avec 450 prophètes de Baal. Élie était seul, mais c'était un homme de 450. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas avec Dieu, ce n'est pas la loi de la majorité qui compte. Tu peux être seul, être avec Dieu et remporter des victoires. Ne cherche pas, ne cours pas derrière le nombre, mais cours d'abord derrière le Dieu qui donne le nombre. Quand Dieu te visite, quand Dieu est avec toi, même s'il y a la multitude des gens, Dieu sera capable de transformer ton échec en victoire. Dieu sera capable de te relever là où les gens ont échoué, là où tu pensais que tu es fini, là où tu pensais que, bien aimé, on ne fait pas alliance avec tout le monde. Faites très attention. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire, n'entrons pas dans l'alliance n'importe comment. Parce que l'alliance engage ta vie, engage ta destinée. Toute alliance qui est contraire à la volonté de Dieu, tu seras capable d'hypothéquer ton avenir, d'hypothéquer ta destinée. Amen. C'est pourquoi faites attention. La manière dont nous sommes en train d'entrer en alliance avec les gens. Faisons très attention, ma soeur, mon frère. N'accepte pas, ne pense pas parce que tu es seul, je dois toujours être avec les gens. Non, il y a un moment dans la vie, Dieu peut t'amener à être seul. Dieu peut t'amener à être seul parce que quand il parle au cœur, il ne parle pas au cœur jumeau, mais il parle au cœur individuellement. Amen. Parce qu'il sait, quand il te parle, ce jour-là, tu ne diras pas que Dieu ne t'avait pas parlé. Alors, c'est très important dans la vie de comprendre cette réalité. Que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de te parler. Même si tu es seul, ne te décourage pas. Ne pense pas que les autres ont toujours raison, que toi tu as tort. Vous savez, les fois, les gens disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. Non, ce n'est pas cela. Parce que Dieu est le Dieu vivant, Dieu est le Dieu qui marche. Même si tu es seul, tu as Dieu. Vous allez voir, pendant qu'on a commencé à parler,
vous allez remarquer une chose, que Dieu n'utilise pas la multitude, mais Dieu sélectionne une tranche de personnes. Parce qu'il sait qu'avec ce nombre restreint, je vais faire en sorte que ma gloire se manifeste. Amen. Je vais te dire, même si dans ta famille, il y a plusieurs sorciers, mais je vais te dire, même si tu es seul, Dieu peut t'utiliser pour la délivrance totale de ta famille. Dis avec moi, Amen. Amen. Dieu peut se servir de toi. Dieu peut t'utiliser. Dans ces moments précis, Dieu peut t'utiliser pour changer. Bien-aimé, les gens sont, les diables font en sorte de pouvoir nous aveugler, que nous soyons toujours concentrés par rapport à ce virus-là. Et on oublie, entre-temps, les sorciers sont en train de travailler. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il n'y a pas de COVID-19 ou 19. Non! Les sorciers sont toujours en train d'opérer. Et pendant que les enfants de Dieu restent dans la distraction, les sorciers opèrent. Mais une chose, Dieu nous a réveillé les esprits. Dieu nous a réveillé nos pensées pour voir que dans ce combat, l'assaut final, bien-aimé, nous allons attaquer jusqu'au fond. Amen. Nous allons aller jusqu'au fond. Amen. Jusqu'à ce que nous allons détruire le tout dernier pour que ta vie soit libre. Amen. Parce que tu ne peux pas. Tu ne pourras pas servir Dieu avec le fardeau. Tu ne pourras pas servir Dieu tant que cette personne n'a pas encore vu la gloire de Dieu. Mmh. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de manifester sa gloire. Amen. Dieu est sur le point de manifester sa gloire. Afin que les gens qui te regardent, tu es seul, mais ils ne savent pas que tu n'es pas seul. Mmh. L'homme de Galilée est avec toi. Le ressuscité du troisième jour est avec toi. Parce que le troisième jour, c'est la résurrection. C'est pourquoi aujourd'hui, ça sera le jour de ta résurrection. Mmh. Et la puissance de Dieu va te saisir. La puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va te toucher. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. J'ai dit Dieu n'a pas changé. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et si tu crois, tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Tu es seul d'après les hommes. Mais avec Dieu, il y a des anges qui t'entourent. J'ai dit avec Dieu, il y a des anges qui t'entourent. Il y a des anges qui sont tout autour de toi, qui apportent une sécurité. C'est pourquoi Élie avait cette confiance d'affronter les 450 prophètes. Bien-aimé, même si tu es un homme fort, mais quand il y a 450 personnes qui viennent t'attaquer, oh my God, ça sera pour toi difficile. Mais Élie croyait en Dieu. Amen. Lorsque vous lisez l'histoire, dans le chapitre 17e, vous n'allez pas voir là où Dieu a dit à Élie d'ordonner à ce que la pluie s'arrête. Élie lui-même s'est levé et a fait une déclaration. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme ou une femme dangereux ou dangereuse. Cela veut dire que les paroles qui sortent de ta bouche, ma soeur, mon frère, la parole qui sort de ta bouche a une grande efficacité. C'est pourquoi ne parle pas n'importe comment par rapport à ta vie. Amen. Ne laisse à personne de dire des paroles négatives dans ta vie. Est-ce que tu m'écoutes, ma soeur, mon frère? Amen. Si quelqu'un vient, il te dit des choses que tu vois que ça détruit ta foi, ça détruit ta destinée, tu as le droit de refuser cela. Amen. J'ai dit, tu as le droit de refuser cela. Parce que si tu laisses, ça va prendre forme. Parce que cette parole va se propager au niveau de l'air et ça va rester gravé en toi et tu verras que les choses n'iront pas. Il faut refuser cela. N'accepte pas toutes choses. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire, ma soeur, mon frère? N'accepte pas toutes choses. Élie était seul, mais il est venu. Toi aussi, tu es seul. Ce soir, nous allons nous lever aussi. Comme des hommes et des femmes qui ont la foi qu'avec Dieu, je ne suis pas seul. Avec Dieu, Dieu marche avec moi. Je peux accomplir encore de grandes choses. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu peux encore accomplir de grandes choses. Tu peux encore vivre la réalité de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, par rapport à cette parole, n'hésite pas de pouvoir partager la vidéo. Stéphie, tu presses seulement sur le bouton et tu partages aussi la vidéo. C'est très important et Dieu va nous bénir. Ma soeur Venise, partage aussi la vidéo. Ma soeur Anne, partage aussi la vidéo. Crémérance, partage la vidéo. Dieu va nous bénir. Et la Bible nous dit, Élie, lorsqu'il est arrivé, il n'était pas le premier. Il a laissé le soin à d'autres de pouvoir commencer. Dans la vie, ne sois pas pressé. Amen. J'ai dit, dans la vie, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Sois calme. Commence.
avec Dieu. Même si les autres ont déjà commencé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Arlette, partage avec moi la vidéo aussi. C'est très important. Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Il n'a pas changé notre Dieu. Moi, mais partage avec moi la vidéo aussi. Et la Bible nous dit qu'au verset 20e, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Première des choses, lorsque nous sommes dans la montagne de Carmel, la première des choses, Carmel, c'est le lieu de positionnement. J'ai dit Carmel, c'est le lieu de positionnement. Où tu es là et tu te positionnes. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, nous allons nous positionner. Si Dieu est Dieu, nous restons attachés à Dieu. Amen. Si c'est Baal, attache-toi à Baal. Et nous voulons bien aimer, comprendre. Nous voulons bien aimer, nous attacher complètement et totalement à Dieu. Positionne-toi. Par rapport à ta situation, est-ce que tu as l'habitude de regarder les gens ou tu regardes à Dieu? Par rapport à ce que tu vis, est-ce que tu as confiance en Dieu, que Dieu peut te donner un enfant? Est-ce que tu as confiance en Dieu, que Dieu peut éliminer tes ennemis? As-tu confiance en Dieu, que Dieu peut changer les choses? Oh, je te salue, mon jumeau, pasteur Patrick. Que Dieu te bénisse, mon jumeau. C'est très important. Positionne-toi. Positionne-toi. Si Dieu est Dieu, reste avec Dieu. Je te dis une vérité. Tu ne perdras pas le temps avec Dieu. Positionne-nous. Si les choses n'ont pas marché hier, c'était hier, mais aujourd'hui, positionne-toi. Amen. Positionne ta foi. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Même si vous êtes des jumeaux, les promesses de Dieu ne sont pas jumelles. Même si tu es le cadet de ta famille, la promesse de Dieu n'est pas cadette, mais la promesse de Dieu reste promesse. Raison pour laquelle, positionne-toi aujourd'hui. Prends ta position. Quelle est ta position? Est-ce que tu crois en Dieu? Reste attaché. Attache-toi à Dieu. Si tu ne passes bien, mais avec Dieu, ce n'est pas peut-être. Avec Dieu, ce n'est pas je verrai. Mais avec Dieu, tu crois ou tu ne crois pas. Amen. Et ce soir, je suis en train de te parler. Tu dois changer. Tu dois te repositionner parce que nous voulons faire un assaut final. Amen. Et dans l'assaut final, ceux qui sont là, ils ont confiance comme quoi que moi, je vais remporter. Moi, j'irai de l'avant. Bien-aimé, je vais excusez-moi un peu de cet exemple. Les gens qui sont allés pour capturer Bin Laden, ils avaient une mission spécifique. Et lorsqu'ils partaient, ils se sont positionnés pour dire, la manière dont je suis en train de partir, je vais arrêter. Nous allons arrêter Bin Laden. Et quand ils sont arrivés, ils ont arrêté. Aucun d'eux n'a été tué. Aucun d'eux n'a été tué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient positionnés. Ils savent. C'est pourquoi même dans les services militaires, les gens se positionnent. Ils regardent là où se trouvent leurs adversaires. Et ils se positionnent. Je vais dire à quelqu'un, positionne-toi. Vous savez, avec ce confinement, ça nous donne le temps de pouvoir nous positionner. Et nous regardons d'une manière stratégique où se trouvent tes ennemis. Alléluia. Pendant que nous prions, Dieu te révélera qui sont tes ennemis. Tu te prépares. Et je dis au nom de Jésus, s'ils avaient des miroirs, ils avaient l'habitude de t'observer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous détruisons ces miroirs au nom de Jésus. Amen. Tu deviens invisible. Amen. Oh, je parle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Si je parle à toi, dis, c'est moi. Oh my God. Si c'est toi, tu dis, c'est moi. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Si c'est toi, tu dis, c'est moi. Je dois me positionner. La promesse de Dieu a été faite pour moi. Alléluia, alléluia. Positionnons-nous. Positionne-toi.
Dieu veut agir, mais il n'a pas besoin des gens frileux. Il n'a pas des gens peureux, mais il a besoin des gens qui se positionnent. Il dit, je crois en Dieu. Peu importe ce qui va arriver, ce que cela arrive. Au Congo, il y avait des gens qui disaient, mon sang c'est pour mon pays. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts. Et nous aussi dans l'armée, nous sommes enrôlés, nous sommes prêts pour aller. J'ai dit, nous sommes prêts pour affronter. Je me positionne, je prends mon arme, je prends la foi, je prends la vérité, Amen. Je prends la parole de Dieu et je me positionne. Amen. Car il y a un adage qui dit, celui qui se cache est plus intelligent que toi. Amen. Mais une chose, nous maintenant, avec le confinement, nous nous sommes cachés. Amen. Et nous sommes en train de voir les stratégies que le diable utilise. Mais nous allons sortir. J'ai une bonne nouvelle. Bientôt, très bientôt, nous allons sortir. Bientôt, très bientôt, nous allons aller à l'affrontement. Mais cet affrontement, j'ai une bonne nouvelle. Tu ne laisseras pas tes cheveux. J'ai une bonne nouvelle. Tu ne mourras pas. Aucun membre de ta famille ne mourra. Aucun membre de ta famille ne mourra. Je vais dire à tous les parents qui me suivent, écoute-moi. Tu n'enterreras pas tes enfants, mais ce sont tes enfants qui t'enterreront après une vieillesse heureuse. Je parle à quelqu'un, crois en Dieu, positionne-toi. Même si dans ta famille, il n'y a pas de position, mais avec Dieu, une chose nouvelle peut arriver au niveau de ta famille. Tu as la capacité de changer des choses dans ta famille. Amen. Tu as la capacité de transformer les choses. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et la Bible me dit, avec Dieu. Non pas avec les hommes, mais avec Dieu. Non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec Dieu. Non pas avec l'Angleterre, mais avec Dieu. Non pas avec les États-Unis, mais avec Dieu. Non pas avec la France, mais avec Dieu. Non pas avec la Guadeloupe, mais avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit, il écrasera nos ennemis. Amen. Je suis seul, mais je suis avec Dieu. C'est pourquoi je me positionne. Je me positionne. Je me positionne. Je me rappelle... Quelques mois passés, je suis allé aux États-Unis avec avec mon jumeau, le pasteur Patrick. Nous sommes allés là où le président Kennedy a été assassiné. Il m'a dit, mon jumeau, positionne-toi parce que je vais te prendre la photo et on va voir la croix. Je me suis positionné et à partir de là, j'ai vu, il y a beaucoup d'années, il est déjà passé, il est déjà mort. Mais moi, je me suis positionné après des années, là où il est passé, là où il est mort. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Même s'il y a des années passées, tu étais perdant, tu n'étais pas, mais il y a des choses, il y a des malédictions qui te poursuivent. Mais aujourd'hui, nous allons nous positionner afin de transformer ces malédictions en bénédictions. Nous avons cette onction, cette capacité... de transformer des choses. Oh, membre, c'était... Samuel, calme-toi. Je veux dire à quelqu'un, il est le Dieu qui veut que tu puisses te positionner. J'ai dit, il est le Dieu qui veut que tu te positionnes. Amen. Positionne-toi. Dis-toi que je suis une race de vainqueurs. Dis-toi que ma femme va enfanter. Femme stérile, dis que moi, mon ventre, la bien-aimée, ma soeur, tu peux toucher ton ventre. Dis à ton ventre, mon ventre, est-ce que tu es en train d'écouter? Pendant qu'on est en train de parler, que l'enfant entre au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont malades, là, incurables, dis-toi, je me positionne pour la bonne santé. Positionne-toi. Toi, peut-être que tu as perdu le travail. Positionne-toi maintenant pour un travail rentable. Toi, les choses ne marchent pas. Positionne-toi parce que c'est ta saison, c'est ton temps. Ils étaient nombreux, ils étaient en avance. Mais maintenant, c'est ton temps où tu te positionnes maintenant. Parce que à Carmel, c'est le lieu de positionnement. C'est le lieu où je me positionne maintenant. Ma soeur, mon frère, commence à te positionner. Dis, c'est moi. Dis avec moi, c'est moi maintenant. Dis avec moi, c'est mon tour maintenant. Rembro setaretabekete debo. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que c'est mon tour. Je me positionne maintenant. Je me positionne de telle enseigne que qu'ils viennent du nord, sud, est ou l'ouest, ils me verront en position, non pas de faiblesse, mais en position de force. Vous savez, bien aimé, lorsque quelqu'un a un grand frère qui est trop fort, il peut même aller provoquer les gens. Mais quand il viendra, il fuira derrière son frère. Quand quelqu'un verra son frère, il dit, le combat est fini. Et nous avons un grand frère qui a remporté la victoire à la croix. Amen. Il y a de cela plus de 2000 ans. Amen. Et à la croix, il avait dit,
tout est accompli. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi je me positionne par rapport à la victoire. Je dis positionne-toi par rapport à la victoire. Positionnons-nous par rapport à la victoire. Même si aujourd'hui, je vais choquer quelqu'un. Non, je suis prêt à choquer quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as jamais échoué. Oh, pasteur Samuel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, tu n'as jamais échoué, mais tu as fait que des tentatives. Bien-aimé, lorsqu'on fait des tentatives et que ça ne marche pas, ce n'est pas un échec. Ça te donne maintenant des stratégies, comment maintenant tu peux opérer dans une nouvelle dimension. Je veux dire à quelqu'un, si hier ça n'avait pas marché, ce n'était qu'une tentative. Aujourd'hui, maintenant, je me positionne par rapport à la grandeur. Oh, membre, c'était... Je me positionne par rapport à la puissance. Je me positionne par rapport à la gloire. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de mon lendemain. Je n'ai pas peur, même si je suis seul. Même si la Bible dit, même si on te jette, même si tu traverses la vallée de Baca, tu transformeras cela en oasis. Amen. C'est quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. On est en train de se moquer de toi parce que les choses ne marchent pas. On est en train de se moquer de toi. C'était hier. Mais avec ce confinement, nous allons bientôt, très bientôt sortir maintenant. Nous allons sortir dans une gloire extraordinaire. Amen. Nous allons sortir dans une puissance extraordinaire. Amen. C'est pourquoi positionne-toi déjà. Est-ce que tu, là où tu es assis, tu peux te positionner déjà. Positionne-toi. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Positionne-toi. Cette position, c'est la position des vainqueurs. Cette position, c'est la position des champions. Cette position, c'est la position des héros. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, l'amour de Dieu traverse mon cœur maintenant pour dire à quelqu'un, tu as trop pleuré. Tu as pensé que c'était fini. Tu as pensé que les choses n'allaient pas avancer. Non, les gens t'ont abandonné. Tu as aidé les gens. Tu as fait tant de choses, mais les gens t'ont laissé. Dis, écoute-moi, n'abandonne pas. Je dis toujours aux gens, c'est un conseil. Ne deviens pas méchant parce que tu étais entouré de méchants. Mais continue toujours à faire le bien. Parce que tout le bien que tu es en train de faire, tu vas moissonner cela. Et pas seulement toi, même les enfants de tes enfants, ils moissonneront cela. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un pour lui dire, positionne-toi. Amen. Je dis, positionne-toi. Amen. Je dis, positionne-toi. Amen. Positionne-toi. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, positionne-toi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, positionne-toi. Dis à quelqu'un, positionne-toi. Et pendant que tu es en train de te positionner, n'oublie pas d'appuyer seulement sur ce bouton, d'appeler quelqu'un pour lui dire, nous sommes en train d'écouter la parole du positionnement. Rembro sekade la bachete rebege. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mwambi, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Positionne-toi. Notre frère Albert, positionne-toi. 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 Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu puissant. Rebrokate leboche telebe. Que Dieu te bénisse, ma soeur Odissiale. Que Dieu te bénisse. Partageons encore la vidéo. Dieu est à l'œuvre. Dieu est sur le point d'opérer un miracle dans ta vie. Mais il veut que tu te positionnes. Écoutez, dans un terrain de football, bien-aimé, tout le monde n'est pas gardien. Tout le monde n'est pas défenseur. Tout le monde n'est pas milieu de terrain ni attaquant. Chacun a sa responsabilité. Bien-aimé, même Ronaldo, on lui laisse le terrain seul. Il ne pourra pas gagner parce qu'il a besoin d'un gardien, il a besoin d'un défenseur, il a besoin d'un médiateur. Je veux dire à quelqu'un, toi aussi, il faut connaître quel est ton poste. Chacun de nous, la Bible est dans le livre d'Habacuc, j'étais à mon poste. Je m'étais positionné dans mon poste. Passez-moi la tautologie. Cela veut dire positionne-toi. Si Dieu veut que ta position, c'est la prière, sois un homme, une femme de prière. Si ta position, c'est être à genoux, à tout moment, reste à genoux, ne t'embrouille pas. Si ta position, ma soeur, mon frère, c'est de faire des libéralités, continue à faire des libéralités parce que c'est ta position. Si ta position, c'est de payer les minervales pour les démunis, continue à le faire. Amen. Si ta position, c'est de soutenir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, financièrement parlant, ne te laisse pas, c'est ma position. Quand quelqu'un vient te décourager pour te dire, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu donnes de l'argent à l'église? Ce sont des voleurs. Dis-lui que c'est ma position. Et je suis positionné, Dieu me bénit par là. Je suis désolé, laisse-moi faire ce que Dieu me demande de faire. Vous savez, dans la vie,
À tout moment que tu veux faire le bien dans l'œuvre de Dieu et que quelqu'un vient à l'encontre, sache que c'est un Sambala, c'est un Tobija, c'est un Gouachem. Et si Dieu t'a déjà béni à cause de ce que tu fais, ne relâche pas. Ne marche pas par rapport aux autres. Ne dis pas parce que les autres ont fait. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Élie a dit, si Dieu est Dieu venu de mon côté, si c'est Baal, suivez Dieu. Suivez Baal. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a déjà fait du bien, rappelle-toi, rentre auprès de Dieu. Amen. Ma Mireille, dis encore amen avec moi. C'est important de comprendre, si Dieu t'a déjà fait du bien, rentre encore auprès de Dieu. Maman Justine, tu me donnes encore un amen. Bon, c'est important dans la vie de comprendre cette réalité. Si Dieu t'a déjà fait du bien, reste attaché. Amen. Reste attaché. Amen. Ma soeur Fifi, reste attaché. Amen. Car Dieu est le Dieu qui est puissant. Amen. Dieu est le Dieu vivant. N'est-ce pas, Arlette? Dieu est le Dieu qui est vivant. Amen. Positionnons-nous. Amen. Positionne-toi. N'aie plus peur. Ne regarde plus au lendemain. Ne te pose pas de questions. Reste attaché à Dieu. Il est le Dieu qui est fidèle. Positionne-toi. 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 Je sens la joie parce qu'ils sont en train de voir, spirituellement parlant, que Dieu est en train de te positionner. Dieu est en train de te stabiliser. Écoute-moi, même au niveau de ton ventre là, qu'on a dit que ton ventre ne peut jamais prendre un enfant. Touche ton ventre, dis mon ventre, je te positionne maintenant pour devenir porteur ou porteuse d'un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui crois que d'autres personnes porteront seulement des enfants. Toi aussi, positionne-toi. Change même ta démarche maintenant. Deviens maintenant comme une femme qui est déjà enceinte. La foi, c'est la folie. La foi dépasse notre entendement. Je ne sais, c'est dit, la parole que je suis en train de dire, je sens que Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de bouger. Oh, écoute-moi, il y a des gens, des vaudous, qui ont dit comme quoi que tu n'iras pas de l'avant. Et tu le sais, c'est ton oncle, c'est ta grand-mère, c'est ta tante qui a fait en sorte que tu sois bloqué. Ce soir, nous allons nous positionner. Si ta tante est Dieu, on va suivre ta tante. Mais si Dieu est Dieu, elle viendra, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne prêchons pas des fables, mais nous prêchons le Jésus-Christ mort et ressuscité. Et comme il est ressuscité, il est capable de tout. Dis amen avec moi, maman Mireille. Dieu amen. Est le Dieu qui peut nous repositionner. Amen. C'est pourquoi, Carmel, c'est le lieu de positionnement. Amen. Dis avec moi, positionnement. Positionnement. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laissez-moi un peu avancer. Nous sommes toujours dans 1 Rois, chapitre 18. Nous lisons le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux, préparez-le, le premier, car je ne veux pas être le premier, car vous êtes les plus nombreux. Ah ouais, c'est la loi du monde, la loi de la majorité. Comme on dit, nous avons la majorité absolue. Mais Élie était seul, mais il dit quelque chose, préparez le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu, une condition, ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, Baal, réponds-nous. Mais ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'Éternel. Bien-aimé, Carmel, c'est le lieu de la patience. Amen. Oh, dis avec moi, amen. Amen. Carmel, c'est le lieu de la patience. Moi, mais tu peux écrire cela. Deuxièmement, Carmel, c'est le lieu de la patience. Bien-aimé, dans la vie, sois patient. Tu n'es pas en retard par rapport à qui que ce soit. Ta vie ne connaît pas de delay. Tu n'as pas de retard. Sois patient dans la vie. Vous savez, des fois, nous prenons des décisions à la hâte. Parce que l'autre a fait. Toi aussi, tu es pressé de faire. Parce que l'autre a dit. Tu es aussi pressé de dire. Écoute-moi, Élie a dit, vous êtes nombreux. Faites ce que vous devez faire. Sois patient. Les autres se marient. Sois patient. Les autres ont du travail. Sois patient. Les autres achètent des maisons. Sois patient. Les autres évoluent. Entre guillemets, sois patient. Depuis que tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Sois patient. Ma Bible me dit, les enfants de la délaissée
seront plus nombreux que de la femme qui enfante. Mmh. En d'autres termes, Dieu veut te dire, il est en train de préparer des surprises agréables. Amen. Vous savez, quand on n'a pas d'enfant, on dit, si j'ai un enfant, je ferai ceci. Mais bien aimé, quand les enfants arrivent, tu vas commencer à dire, allez dormir, vous me dérangez. Mais c'est mieux d'avoir ce dérangement-là que de ne pas l'avoir. Et je dis à quelqu'un, Dieu est le Dieu. Nous sommes au troisième mois. Dieu peut changer les choses. Même jusqu'au mois de décembre, il y a une possibilité. Mais une seule chose, sois patient dans la vie. Amen. Sois patient dans la vie. Tu n'es pas dans un rallye, tu n'es pas dans une course contre quelqu'un. Mmh. Tu n'es pas dans une course. Tu n'es pas dans une course. C'est ta vie. Écoute, des fois, ferme tes yeux. Ne regarde pas aux gens. Mmh. Regarde à Dieu qui t'a appelé. Mmh. Et lui pouvait dire, moi j'ai Dieu. Alors, je vais faire la démonstration. Il a dit, non, je vous laisse encore le temps. Bien, mais Dieu dit aux gens qui se moquent de toi, il les laisse encore le temps. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. C'est pourquoi Dieu dit, je leur accorde d'abord le temps. Toi aussi, accorde-leur le temps. Laisse-le faire ce qu'ils sont en train de faire. Laisse-le en train de se moquer de toi. Laisse-le. Tu n'es pas en retard. Oh, tu dis, mais pasteur, tu n'es pas informé. Mon âge, l'âge est en train d'avancer. Oh, bon, l'âge est en train d'avancer. C'est par rapport à quoi? Par rapport à ton âge. Vous savez, l'âge, ce n'est qu'un nombre. Dieu est capable. J'ai même vu, la Bible nous dit même que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous connaissez cette dame Janet Jackson, qui a eu son enfant à l'âge de 50 ans. 50 ans. Est-ce que Dieu est capable de tout? Vous connaissez cette grande dame, cette chanteuse, Sinache, qui a eu son enfant à l'âge de 46 ans. Dieu est capable de tout. Sois patient. Ne te décourage pas. J'ai dit à quelqu'un, décourage celui qui te décourage. Et dans le nom de Jésus, je décourage le découragement. Amen. Je dis, je décourage le découragement. Mm-hmm. Que tu ne sois pas découragé. Tu regardes à la montre, le temps avance. Non, le temps avance pour eux. Dieu te dit d'être patient. Amen. Dis avec moi la patience. Patience. Dis avec moi, je suis patient, je suis patiente. Je suis patient. Gloire soit rendue à l'Éternel. Dis, je suis patient. Amen. Dans notre dialecte, on dit balatène de monacé. Cela veut dire simplement que sois posé, sois calme. Mm. La Bible dit, c'est dans le calme et le silence que sera ta force. Amen. Ne t'agite pas. Ne te justifie pas. Il y a des gens qui aiment trop se justifier pour dire non, c'est à cause de ceci. Non, c'est à cause de ceci. Bien aimé, je n'ai pas besoin de me justifier. Si tu me crois, tu me crois. Si tu ne me crois pas, laisse-moi tranquille. Amen. J'ai dit à celui-là, laisse-moi tranquille. Que Dieu te bénisse et lui partage aussi pour nous cette vidéo. Dit, laisse-moi tranquille. Amen. Parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. J'ai un rendez-vous solennel avec Dieu. Vous commencez. Vous avez acheté des maisons, commencez. Vous avez des enfants, commencez. Vous avez tout, allez-y. Mais laissez-moi le temps avec mon Dieu. Dis à celui qui te dérange, laisse-moi mon temps avec Dieu. Laisse-moi. Hein, ma soeur Lydie, laisse-moi marcher avec mon Dieu. Donc, deuxièmement, Carmel, oh, le temps avance. Carmel, c'est le lieu de la patience. Soyons patients. Ne te dérange pas, sois patient. Même toi qui es en train de me suivre en ligne téléphonique, sois patient. Car Dieu a un plan pour notre vie. Il a dit, vous commencez. S'il est votre Dieu, prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. Bien-aimé, celui qui a la chose de Dieu n'est pas pressé, même dans le ministère, même dans la vie. On ne fait pas de rallye, on ne fait pas de course. Je suis patient. Ce que Dieu a réservé. Si Dieu, vous savez, même dans la vie des hommes de Dieu, nous n'avons plus cette patience, ce qui fait que les autres sont en train de te dérouter. Ils veulent toujours avoir des méga church, mais ils ne veulent pas avoir un méga Dieu. Quand tu as un méga Dieu, Dieu te donnera un méga church. Parce que tu crois à la grandeur et tu es patient. Dieu te fera toujours passer par des événements. Dieu te fera toujours passer par des circonstances. Mais ne te décourage pas. Sois patient.
Donc, Carmel, c'est le lieu de la patience. Alléluia. Oh, je vais encore avancer. Le verset 30e. Nous sommes toujours dans 1 Roi, chapitre 18. Le verset 30 nous dit, « Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel. Élie rétablit l'autel. Carmel, c'est le lieu de la restauration. Amen. Moi, mais tu peux ajouter cela. Troisièmement, Carmel, c'est le lieu de la restauration. Amen. Quand on parle de la restauration, cela veut dire que tu étais dans un état, tu étais fort, mais tu as tout perdu. Mais quand Dieu veut te restaurer, il ne te remettra jamais dans la position initiale. Mais il donnera ce que tu avais et il ajoutera encore autre chose. Cela veut dire, si peut-être que tu me suis, tu es en train de souffrir de la stérilité de second degré. Cela veut dire que tu avais un enfant, mais tu n'arrives plus à concevoir. Laisse-moi te dire, prépare-toi pour avoir des jumeaux. Prépare-toi pour avoir des jumelles. Car Dieu est le Dieu lorsqu'il restaure, c'est en qualité et en quantité. Si tu as perdu ton travail, prépare-toi maintenant. Car Dieu veut te restaurer. Il veut te donner un travail où tu seras à l'aise. Ma soeur, mon frère, lorsque tu travailles et que tu n'es pas à l'aise, ce n'est pas une bonne chose. Et je suis en train de prier pour toi, pour que Dieu te restaure avec un travail qui te procure la joie, un travail qui amène la joie, la satisfaction au niveau de ton cœur. Carmel, c'est le lieu de la restauration. Dis avec moi, restauration. Non, je n'ai pas entendu. Dis avec moi, restauration. Dieu est le Dieu qui nous restaure. Il dit, ce n'est pas moi bien-aimé, c'est la Bible qui le dit. Dieu dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Cela veut dire, quand quelqu'un vous dit, approchez-vous de moi, c'est qu'il a une réponse. Amen. Écoute, vous êtes dans l'agitation et quelqu'un vient te dire, approche-toi de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai une information que tu n'as pas. J'ai quelque chose que tu n'as pas. Et je vais te divulguer cette information. Alors, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Car Dieu veut te restaurer. Ma soeur, mon frère, tu t'étais éloigné de Dieu. Rapproche-toi maintenant de Dieu. Rapproche-toi, rentre auprès de Dieu maintenant. Amen. Rentre auprès de Dieu. Yes, ma fille, Fifi, Dieu est le Dieu qui est en train de restaurer tout ce que tu as perdu. Bien-aimé, ne t'inquiète pas pour les amis qui t'ont abandonné. C'était important qu'ils t'abandonnent. À un certain moment, Dieu permet que ces gens quittent ton entourage pour faire ce qu'ils doivent faire. Mais ils reviendront. Au moment où ils reviendront, ils témoigneront de la grandeur de Dieu. Simplement parce que Dieu t'a restauré. Parce que Dieu a remplacé les choses. Et je suis en train de parler. Si au niveau de ton corps, il y a des choses qui ont été détruites, Dieu te restaure maintenant au nom de Jésus. Si la médecine a dit que tu as une maladie incurable, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est sur le point de faire quelque chose au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons vu comment Dieu a guéri des gens qui étaient déclarés malades. Les gens qui étaient des candidats pour AVC, mais Dieu les a guéris, Dieu les a restaurés. Les gens qui avaient des problèmes rénaux, il y avait l'insuffisance rénale, Dieu les a guéris. Je veux dire, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, dis avec moi la restauration. La restauration est possible. La restauration est possible. Amen. Dieu te restaure. Dieu restaure ton foyer. Il devait y avoir un divorce, mais par la prière, Dieu restaure ton foyer. Dieu remet encore la joie, l'amour dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta femme. Dieu remet encore l'amour. Vous allez redevenir comme des bébés. Il y a longtemps que tu as appelé ta femme bébé, mais ce soir, tu vas l'appeler encore bébé. Je ne sais pas si tu vas l'appeler choupette, ou tu vas l'appeler, je ne sais pas moi, chou, ou choco, comme mon cousin, comme mon jumeau appelle. Tout dépendra de toi, parce que Dieu est en train de restaurer ton couple. Dieu est en train de restaurer les choses. Si tu es d'accord avec moi, dit la restauration.
Ah, je n'attends pas, dis avec moi, la restauration. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Ma soeur, mon frère, n'oublie pas, nous sommes aussi là. Il y a notre numéro de WhatsApp. Tu peux nous envoyer tes requêtes par WhatsApp. Mwambi, tu peux me mettre le numéro de WhatsApp. Comme ça, les gens qui ont des requêtes pendant que nous allons prier, tu envoies ta requête et nous allons démarrer dans la prière. Mais pendant ce temps, toi, tu te connectes encore. Que Dieu te bénisse. N'arrêtons pas de partager la vidéo parce que Dieu est en train de faire du bien. Il y a des gens, peut-être que toi, personnellement, tu ne pourrais pas atteindre. Mais par le partage de la vidéo, Fifi, pendant que tu partages la vidéo, l'Éternel Dieu est en train de te bénir aussi. Alors, je suis en train de dire que Carmel, c'est le lieu de la restauration. Que Dieu te restaure. Tout ce que tu as perdu, que Dieu te restaure. Que Dieu restaure les choses dans ta vie. Que Dieu restaure dans la vie de tes enfants. Tes enfants, tu penses que c'est fini pour tes enfants. J'ai dit, ce n'est pas encore fini. Dieu est capable. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de remplacer. Dieu est capable de changer des choses. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh my God, laissez-moi un peu avancer encore. Carmel, oh, le verset 32 nous dit quelque chose. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures. Bien-aimé, quatrièmement, Carmel, c'est le lieu où l'on bâtit un autel. Laissez-moi un peu parler sur l'autel. C'est important dans la vie de bâtir l'autel. Quand on parle de l'autel, qu'est-ce que l'autel? L'autel, c'est un lieu de rencontre entre la divinité. Cela veut dire, un autel, ça peut être sous une forme d'une table. Un autel peut être aussi comme un arbre. Parce que dans le monde mystique, lorsqu'on parle de leurs autels, ça peut être un arbre, là où ils invoquent. Ça peut être des choses mystiques. Mais la Bible dit, Élie a bâti un autel. Quand je parle d'un autel, cela veut dire, ta vie doit d'abord être un autel pour l'Éternel. Amen. Romains chapitre 12, le premier verset nous dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On rend un culte dans un autel. Et ta vie est d'abord un autel. Et une chose, je vais revenir un jour où nous parlerons sur les autels. Des fois, nous n'arrivons pas à réussir, à vaincre les forces des ténèbres. Parce que l'autel que nous bâtissons est plus petit que l'autel des sacrifices du monde des ténèbres. Et vous allez voir qu'à chaque instant, il y a des échecs. Parce que les gens du monde des ténèbres, ils savent ce que c'est un sacrifice. Lorsqu'ils veulent sacrifier, il y a même les sorciers. Pour devenir grand dans le monde mystique, il est capable de sacrifier même son père. J'ai dit, il est même capable de sacrifier son père biologique. Il le sacrifie. Il peut sacrifier sa maman pour avoir du succès. Il y a même des gens, pour avoir du succès, on les invite à coucher avec sa propre mère. D'autres personnes, même, on les envoie dans des cimetières, aller dormir 3 jours dans les cimetières. Il y a d'autres, on les dit, tu dois dormir avec un cadavre toute la nuit. Vous savez quoi? C'est parce qu'ils payent les prix pour devenir quelqu'un. Nous aussi, notre hôtel doit être bâti. Il y a des gens, pour avoir du succès, ils sacrifient des vies humaines. On lui demande de boire du sang humain. Ils le font parce qu'ils veulent avoir le succès. Mais alors, notre hôtel, bien-aimé, lorsque nous bâtissons l'hôtel, ça je veux revenir là-dessus. Élie a bâti l'autel. Carmel, c'est lieu d'autel. Tu dois apprendre à bâtir les autels pour ta vie. Tu dois bâtir l'autel pour tes enfants. Tu dois bâtir l'autel. Cela veut dire que tu dois apprendre à faire des sacrifices selon la révélation que tu as de ton Dieu. On ne t'impose pas, mais bâtis les autels par rapport à tes enfants. Tu veux avoir des enfants, bâtis l'autel. Cela veut dire que tu te dis à toi-même, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. C'est important. Moi, mais le numéro que tu as donné là, ce n'est pas le numéro de WhatsApp. Regarde dans les textos, le numéro de WhatsApp est là. Et c'est très important de comprendre cette réalité. Et lorsque tu comprends,
Dieu va transformer des choses. Bâtis l'autel. Ma soeur, mon frère, bâtis l'autel. Bâtis l'autel. Selon la révélation que Dieu va te donner. Prie, demande à Dieu, Seigneur, je vais bâtir l'autel. Donne-moi la révélation. Que veux-tu que j'offre? Que veux-tu que je te donne? Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que tous les patriarches, ils bâtissaient l'autel. Ils construisaient l'autel pour Dieu. Ils offraient à Dieu. Carmel, c'est le lieu où tu donnes à Dieu. Selon la révélation que tu as. Selon la femme, la manière dont tu comprends les choses. Offre des sacrifices à Dieu. Donne à Dieu. Et tu verras, bien-aimé, il y a des gens dans le monde occulte, lorsqu'on lui dit, pour devenir premier ministre, tu dois donner une vache. Tu dois donner ceci. Et il le faut, il le devient. Mais a fortiori, notre Dieu, c'est vrai, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Mais c'est ta manière, c'est ta confiance, c'est ta foi. Tu dis, Seigneur, je te donne cela. Et tu verras combien Dieu te bénira. Tu verras, bâtis l'autel pour Dieu. Bâtis l'autel pour Dieu. Car à Carmel, c'est le lieu où l'on bâtit un autel. Dis avec moi, bâtir un autel. Bâtir un autel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mm. Cinquièmement, le verset 34. Nous sommes toujours dans 1 Roi chapitre 18, 34 à 35. La Bible dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et il le fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Le verset 35. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Ce que je vais dire, c'est que Carmel, c'est le lieu de débordement. Amen. Où Dieu veut amener le débordement dans ta vie. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Dieu veut amener le débordement. Carmel, c'est le lieu de débordement. Amen. Tu dois déborder. La bénédiction de Dieu doit déborder dans ta vie. Amen. La grâce de Dieu doit déborder dans ta vie. Amen. Et ça, c'est très important. La grâce de Dieu va déborder dans ta vie. Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui est vivant. Bien-aimé, lorsque tu regardes sur la page tout en haut, tu verras qu'il y a un numéro, le numéro de WhatsApp qui est là. Et Dieu va te bénir. Moi, mais pendant ces temps, tu regardes, tu changes de numéro de WhatsApp que tu as mis là. Et c'est important. Le Carmel, c'est le lieu du débordement. Mm. Dis avec moi, débordement. Débordement. Non, je n'attends pas, dis avec moi, débordement. Débordement. Laisse que la grâce de l'Éternel déborde dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Laisse que la faveur de l'Éternel déborde dans la vie de ta femme, Amen. Dans la vie de tes enfants. Amen. Toi qui n'enfantes pas, laisse que la faveur de l'Éternel déborde au nom de Jésus. Amen. Laisse que la faveur déborde dans ta vie. Mm. Toi qui n'as pas du travail, laisse que la faveur de l'Éternel déborde au nom de Jésus. Amen. Toi qui perds ton sommeil à tout moment, laisse que la faveur de l'Éternel te localise et que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Dis avec moi débordement. Débordement. Non, dis avec moi débordement. Débordement. Non, je n'attends pas. Dis avec moi débordement. Débordement. Dis Seigneur que tu débordes à moi, que ta faveur déborde à moi. Que la faveur de l'Éternel déborde en toi. Que la faveur de l'Éternel déborde en toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la faveur de Dieu déborde. Oh, laissez-moi aller un peu plus vite parce que je sens déjà nous devons entrer en prière. Le verset 38 nous dit quelque chose. Nous sommes toujours dans 1 Roi chapitre 18. Le verset 38. La Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Waouh! Un feu qui absorbe même l'eau. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Un feu qui absorbe même l'eau. Carmel, c'est le lieu du défi. On dit challenge. Oh, je veux dire, aujourd'hui, nous allons défier ceux qui te défient. Amen. Ce soir, nous allons challenge
tout ce qui est en train de te défier. Amen. Si c'est le blocage, nous allons défier le blocage au nom de Jésus. Amen. Si ce sont des choses difficiles, nous allons défier cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Carmel, c'est le lieu de défi. Mm. Il y a des gens qui t'ont dit, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Moi, je vais te dire, avec Dieu, c'est possible de voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui t'avait maudit pour dire, ta vie n'ira pas de l'avant. Moi, je viens le défier pour lui dire, ta vie ira de l'avant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mm. Oh non, je parle à quelqu'un, ta vie ira de l'avant. Mm. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie ira de l'avant. Amen. Tu es le Dieu et le Dieu puissant, mm. le Dieu et le Dieu vivant. Mm. Ta vie ira de l'avant. Amen. Ta vie ira de l'avant. Amen. J'ai dit, ta vie ira de l'avant. Amen. Je suis en train de défier la mort dans ta vie. Mm. Je défie la mort au nom de Jésus. Amen. Toi, qu'on a dit que tu vas mourir, nous défions parce que au Mont Carmel, c'est le lieu où nous lançons des défis. Amen. Au nom de Jésus, je lance les défis dans le monde des ténèbres. Les paroles qui ont été prononcées, qui restent gravées sur ta vie, je viens proclamer au nom de Jésus que tu sois libre de ces choses au nom de Jésus. Amen. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes en train de défier les sorciers de ta famille. Mm. Nous sommes en train de défier la maladie. Nous sommes en train de défier la pauvreté. Nous sommes en train de défier les blocages. Nous sommes en train de défier tout ce que le diable a planifié au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, lorsque le feu de l'Éternel est descendu, le feu a consumé, le feu a avalé l'eau. Bien aimé, dans le principe, nous savons qu'on utilise de l'eau pour éteindre le feu. Mais au Mont Carmel, le feu a avalé. Alléluia, 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 alléluia. Le feu a avalé. Je veux dire à quelqu'un, tu es sur le point d'avaler maintenant tes adversaires. Amen. Les choses qui étaient contre toi, l'Éternel des armées te dit ce soir que Dieu est sur le point de changer des choses dans ta vie. Je suis en train de défier ces vieillards au village qui a dit que ta vie n'ira pas de l'avant. Je viens défier et ta vie ira de l'avant. Oui, je te parle. Je viens défier ta stérilité. J'ai dit, la stérilité spirituelle te quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. La stérilité matérielle, tu n'arrives pas à progresser. Tout ce que tu fais, après un moment, tu te retrouves dans la case de départ. Mais à partir de ce soir, au son de ma voix, les choses vont prendre une vitesse extraordinaire. J'ai dit, les choses vont prendre une vitesse extraordinaire. Amen. Car Dieu est le Dieu vivant. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Je suis en train de défier le monde satanique. Je suis en train de défier tout ce qui s'élève contre toi. Mm. Bien-aimé, tu pensais que tu allais échouer. Mm. Je m'élève contre l'échec dans ta vie au nom de Jésus. Amen. L'échec dans le mariage. Mm. L'échec dans l'éducation des enfants. Je m'élève et je défie cet esprit qui a dit qu'au niveau de votre famille, les choses n'iront pas. Votre famille vit un cycle de malédiction. Mais je te dis, par toi, la famille sortira de ce cycle au nom de Jésus. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Dis avec moi les défis. Dis avec moi les défis. Les défis. Dieu est le Dieu vivant. Amen. Je suis en train de défier. Je suis en train de défier la maladie. Je suis en train de défier tout. Nous défions même cette pandémie dont je ne vais même pas citer les noms. Nous sommes en train de défier ces choses parce que Dieu marche avec nous. Dis avec moi, je défie ces choses. Dis avec moi, challenge. Challenge. Non, je dis, dis avec moi, challenge. Challenge. Si tu veux dire challenge, est-ce que tu peux m'envoyer des cœurs? Tu peux m'envoyer des likes pour dire challenge. Challenge. Dis avec moi, challenge. Challenge. Dis avec moi, challenge. Challenge. Oui, que Dieu te bénisse. Dis avec moi, challenge maintenant. Challenge. Oh, oui. Parce que là où nous sommes, mais là, ah ouais, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer. Oui, oui, oui. Envoie-moi encore des cœurs. Envoie-moi encore des likes pour dire challenge maintenant. C'est le moment où je suis dans les challenges maintenant. Je suis en train de challenger tout ce qui ne marchait pas. Je dis à quelqu'un, tout ce qui ne marchait pas, ce soir, nous sommes en train de lancer les défis. On a dit que tu es le dernier, mais aujourd'hui, nous allons nous repositionner pour la première position. Amen. Même s'ils avaient commencé avant, nous allons nous repositionner. Nous allons nous repositionner, bien-aimés, parce que nous voulons défier ces sorciers. Nous voulons défier l'Angleterre. Les gens disaient que tu n'avances pas parce que là où tu es, ce n'est pas formidable.
Là où tu es, Dieu est capable de t'utiliser. Est-ce que vous savez, pendant les temps de crise, c'est alors que les Chinois sont devenus beaucoup plus de milliardaires. Oui, je veux dire aussi à quelqu'un, pendant que les gens pensent que l'économie va se ralentir, c'est en ce moment que tu vas acheter ta maison. C'est en ce moment que tu vas te marier. C'est en ce moment que les choses vont s'accélérer. Amen. Parce que Dieu, la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Amen. Dans cette circonstance fâcheuse, c'est alors que Dieu va te faire son... Oh, oh my God. Je sens cette parole. Amen. Me fait du bien. J'ai dit challenge. Dis avec moi challenge. Si est-ce que tu peux taper là-bas, écrire aussi challenge. Amen. Même toi qui me suis sur la ligne téléphonique, est-ce que tu peux me dire aussi challenge? Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire challenge avec moi? Rombra setarabake. Nous sommes entrés dans le challenge maintenant. Les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Car avec Dieu, nous sommes en train de partir de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. De succès en succès. Amen. De puissance en puissance. Amen. C'est le temps où l'Église, lorsque nous allons sortir, nous allons défier la puissance occulte. Nous allons défier la puissance de la sorcellerie. Amen. Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Amen. Nous marchons avec le Dieu de la Bible. Amen. Le Dieu qui est puissant. Le Dieu qui change des choses. Amen. My God. Oh, alléluia. 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 Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Le verset 38e nous dit quelque chose. Mbola machete lebege. Oh, je sens la présence de Dieu. Amen. Je sens la gloire de Dieu descendre. Amen. Le verset 38. Le verset 38 nous dit quelque chose. Nous sommes tous dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38. La Bible dit: et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau. Qu'est-ce que je veux dire? Que Carmel, c'est le lieu de confirmation. J'ai dit Carmel, c'est le lieu de la confirmation. Dis avec moi confirmation. Oui, je vais écrire confirmation. Alléluia. Car Dieu veut confirmer. Stéphie, write down confirmation. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Écris confirmation. Est-ce que moi, tu peux écrire confirmation? Est-ce que tu peux l'écrire? Oui, ma sœur Anna, écris confirmation. Parce que c'est le temps où Dieu veut confirmer les choses. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Cela veut dire que toutes les paroles que tu vas annoncer, cela va se confirmer dans ta vie. J'ai dit, cela va se confirmer dans ta vie. Amen. Car la confirmation est possible. Non, je parle de la confirmation. Amen. Dieu veut confirmer cette grossesse-là. J'ai dit, Dieu veut confirmer cette grossesse-là. Dieu veut confirmer cette maison. Dieu veut confirmer cette puissance spirituelle. Non, j'ai dit, Dieu veut confirmer ce mariage. Et alléluia. Non, je suis en train de parler. Dieu veut confirmer ces choses. Dieu veut confirmer ces choses. Dieu veut confirmer ces choses. Dieu est le Dieu puissant. Dieu veut confirmer que tu vas te marier. Dieu veut confirmer que tu seras enceinte cette année. Non, j'ai dit, Dieu confirme. Amen. Dis, c'est la confirmation de ma grossesse. Amen. Dis, c'est la confirmation de ma puissance. Dis, c'est la confirmation de mon élévation. Amen. Dis, c'est la confirmation. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Que la gloire soit rendue à Dieu. Car Carmel, c'est le lieu de la confirmation. Dieu te confirme que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. Dieu te confirme que tes enfants n'échoueront pas. Oh my God, oh my God. Je vais dire à quelqu'un, même si les gens pensaient que tu as échoué dans le mariage, mais tes enfants n'échoueront pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je dis, c'est le lieu de la confirmation. Amen. Et ce soir, nous allons confirmer la puissance de Dieu. Amen. Ce soir, nous allons confirmer la grandeur de Dieu. Amen. Car la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé notre Dieu. Le lieu de la confirmation.
Bien-aimé, pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de confirmer ces choses-là. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de confirmer ton mariage. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de confirmer la puissance dans le ministère. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de confirmer ton mariage. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de te délivrer de cette maladie. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de changer des choses dans ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de te visiter d'une manière surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui est une visitation surnaturelle. Amen. Si tu avais un membre de ta famille qui était atteint par cette pandémie, pendant que tu es en train d'acclamer, la puissance de Dieu le touche et il sort au nom de Jésus-Christ Amen. Nazareth. Les lieux de la confirmation. Dieu te confirme qu'il te connaît. J'ai dit, Dieu te confirme qu'il t'aime. Amen. Il n'y a personne qui t'a aimé comme Dieu. J'ai dit, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment idéal de lui donner ta vie. Pour lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Oui, tu peux le faire maintenant. Dis, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oui, c'est le lieu de la confirmation. Est-ce que tu peux me dire confirmation? Confirmation. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu as une visitation spectaculaire dans ta vie. Pendant que tu acclames le Seigneur, la maladie là te quitte. Je suis en train de voir la maladie en train de te quitter. Au nom de Jésus, si ta stérilité était due par quelqu'un, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je suis en train de prier au nom de Jésus, que cela te quitte maintenant. J'ai dit que cela te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus, la stérilité au niveau des idées, tu n'arrives pas à trop penser, tu n'arrives pas à aller loin. Au nom puissant de Jésus, que toutes tes barrières te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pensais par rapport à ton avenir. Mais tu vois, c'est comme si ton avenir est devenu flou. Mais ce soir, nous allons te donner de nouvelles lunettes. Avec ces lunettes, tu vas commencer à voir clairement. Laisse-moi un peu porter aussi mes lunettes pour dire, maintenant je vois aussi clairement. Non, je suis en train de voir quelqu'un. Oui, pendant que tu es en train d'acclamer, je vois aussi qu'il y a un débordement dans ta vie. Amen. Je vois aussi qu'il y a un débordement dans ta vie. Je vois aussi qu'il y a une confirmation des promesses que Dieu a faites dans ta vie. L'homme peut mentir, mais l'Éternel ne mentira jamais. L'homme peut te décevoir, mais l'Éternel ne te décevra jamais. Car il est le Dieu. Lorsqu'il parle, il concrétise. Lorsqu'il parle, il réalise. Il est le Dieu de la confirmation. Non, j'ai dit, il est le Dieu de la confirmation. Amen. Il est le Dieu de la confirmation. Amen. Oh, je suis en train de voir clairement maintenant. Pour dire à quelqu'un, il est le Dieu de la confirmation. Amen. Oh, j'ai porté des lunettes pour bien te voir, pour te dire, je suis en train de voir la confirmation dans ta vie. Dieu est en train de confirmer les choses qui étaient autrefois étrangères. Je suis en train de voir l'Éternel en train de les réaliser dans ta vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mmh. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et pour terminer, ma soeur, mon frère, le verset 39e. Nous dit quelque chose. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Au Mont Carmel, c'est le lieu de l'adoration. Bien-aimé Carmel, c'est le lieu de l'adoration. Amen. Oublie certaines choses. Mmh. Oublie toutes les choses. C'est le temps maintenant de proskunao. Mmh. Où Amen. Nous allons adorer l'Éternel. Commence à adorer. Dieu change l'histoire dans ta vie. Amen. Carmel, c'est le lieu de l'adoration. Amen. C'est le lieu de l'adoration. Amen. C'est le lieu de l'adoration. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es maintenant, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à louer Dieu. Brosse karebo seterebe. Rindobo seterebe kanterebe. Rindebo katerebe. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Korondobo seterebe. Rindebo seterebe. Commence à adorer l'Éternel. Commence à adorer Dieu. Bo katerebo seterebe. Rindebo seterebe. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est vivant. Korandebo, rindebo kotolobo sheterebege, yenderebo kolobo sheterebege. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Korondobo sheterebege, yenderebo kerebe. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Lui qui est le Dieu vivant. Brossetarebo ke, rindebo keterebo, rindebo kolobo sheterebege, rindebo kolobo sheterebege. Adore ton Dieu, mon bras seterebe. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant.
rende boko lo bo chite rebege rende boko lo bo chite rebege rende boko lo bo chite rebege honorable bo chite rebege yende boko lo bo chite rebege yende boko lo bo chite rebege rende boko lo bo il est bon de louer Dieu. Il est bon de les louer. Il est bon de les louer. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Répands ton cœur devant lui. Oh, je célèbre le nom de l'Éternel. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon de. Alléluia. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Seigneur, nous t'adorons, Éternel. Célèbre le nom de l'Éternel. Célèbre le nom de l'Éternel. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin? Tu as un Dieu, oh! Tu n'as pas besoin de paniquer. Ton Dieu est là. Invoque-le. De rebo chate rebo kate rebo sate rebo. De rebo chate rebo kate rebo sate rebo. De rebo sate rebo kate rebo. Yende rebo kolobo chate rebo kante rebo. Yende rebo kotolobo chate rebo. Oui, et même la belle famille ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu. Oh. Dieu de gloire, le Dieu qui n'a pas changé, Seigneur, Dieu de gloire, le Dieu. Tu n'as pas besoin de féticheurs. Ton Dieu, invoque-le. De le Shatarabagé. Prie avec moi. Qui est un positionnement maintenant dans ta vie? Qui est un positionnement dans ta vie? Qui est un positionnement dans ta vie? Je sens le feu de Dieu. Qui est un positionnement dans ta vie? Qui est un positionnement dans ta vie? Kolobo chete rebele. Yendere boko tolobo site rebele. Yendere boko. Sarah a conçu. Est-ce que tu... Ne t'inquiète pas, il y a un Dieu. Oh, de le beau chat à la bague. Ne t'inquiète pas, ton Dieu est là. De le beau chat à la bague. Nous invoquons les dieux de la Bible. 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 Qui te positionne, qui te donne la patience, qui te restaure, le beau chete, rendo beau chete, qui a un débordement dans ta vie. Qui a un débordement dans ta vie, qu'il confirme les promesses faites dans ta vie. Cette parole qui est sortie, ne retourne pas. De le bon, de le bon, c'était. Il y a de le bon, qu'il est bon. Qu'il y a le bon, chité, rébéqué, de le bon. De le bon, chité, rébéqué. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel, mon Dieu, te visite. Que la présence de Dieu, que la présence de Dieu crée la différence. Oh. Moi, je rappelle à Dieu, maintenant. Que la confirmation, c'est ce soir. Alléluia. 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 Voir mon statue. Qui va revoir mon statue? Yes. Il va revoir ton statue. Alléluia. Alléluia. Dans les tombeaux. Alléluia. Alléluia. L'espérance, Seigneur. Alléluia.
Rappelle à Dieu, rappelle à Dieu. Que la grâce de l'Éternel, que la faveur de mon Dieu te localise là où tu es. Que cette parole qui est sortie te localise, localise ta situation. Que miracle se produise au nom de Jésus. Que les miracles se produisent au nom de Jésus. Que Dieu te localise, que Dieu te localise, que Dieu te localise, que Dieu te localise. Que Dieu te localise, que Dieu localise ta femme, que Dieu localise ton mari, que Dieu localise tes enfants, que Dieu localise ta profession, que Dieu localise au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, la confirmation est activée. Alléluia. Merci beaucoup, ma soeur Venise. La confirmation est activée au nom de Jésus. Il y a une activation au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une activation maintenant. La gloire de Dieu active les choses dans nous. Oui, il y a une activation maintenant dans le monde spirituel. Il y a une activation maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui est en train d'activer les choses maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui active maintenant. Qui accélère les choses, éternel mon Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a une activation. La puissance de Dieu te localise partout où tu es. J'ai dit partout où tu es. Partout où tu me suis. Que tu sois en Allemagne, la faveur de Dieu te localise. Que tu sois en Guadeloupe, la faveur de Dieu te localise. Que tu sois en Martinique, la faveur de Dieu te localise. Que tu sois à Birmingham, que tu sois à Londres, que tu sois à Newcastle, que tu sois partout ici à l'Angleterre, que tu sois en France, que tu sois à Melun, que tu sois à Damari, que tu sois à Paris, la grâce de Dieu te localise. Mambro Setarabadi, Rindobo Setereveke, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant. Oh, la grâce, oh, la faveur, dis seulement Seigneur, localise-moi, Seigneur, localise-moi. Korobo Setereveke, Kenderebo, dis seulement Seigneur, localise-moi. Cette parole qui est sortie, me localise. Oui, c'est pour toi au nom de Jésus. Pendant ces jeûnes, que Dieu active quelque chose en toi. Que la honte te quitte maintenant. J'ai dit que la honte te quitte maintenant. Au nom de Jésus, que la honte te quitte. La honte te quitte. J'ai dit au nom de Jésus, que la honte te quitte maintenant. Sois libéré de cette honte. Sois libéré. Tu n'arrives plus à marcher. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la honte te quitte, que la honte te quitte, que la honte te libère au nom puissant de Jésus, que la honte te libère au nom puissant de Jésus, que la stérilité te libère, la stérilité matérielle, la stérilité financière, la stérilité dans tous les domaines, toi qui n'enfante pas, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la grâce de Dieu te localise. Amen. J'ai dit que la grâce de Dieu te localise. Amen. Commence maintenant à pousser des cris de joie. Commence maintenant à pousser des cris de joie. Car la grâce de Dieu t'a localisé. Alléluia. Commence à pousser des cris de joie. Alléluia. Commence à pousser des cris de joie. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un, commence à pousser des cris de joie. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé. Colombo, Chetelebege, Rendoboge. La grâce de Dieu t'a localisé. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux donner cette offrande à Dieu? La grâce t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé. Le feu est descendu maintenant. Le feu est descendu maintenant. Le feu est descendu maintenant. Le feu est descendu. Viens de l'évoquer. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Jésus est bon. Le Fils de Dieu est bon. You are wonderful, Lord. You are marvelous. Il est bon, notre Dieu. C'est lui qui peut le faire. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Oui, il t'a localisé. Parce que Anna, il t'a localisé. Il est bon. Maman Mireille, il t'a localisé. Mon Sauveur est bon. Aïe, aïe. Est-ce que tu peux danser là où tu es? Est-ce que tu peux danser pour ton Dieu? Tu peux danser car Dieu est le Dieu qui accomplit de grandes choses. Tu peux danser pour Dieu. Emmanuel est bon. Il est bon.
du matin. Il est bon. Le soleil de la justice est bon. Il nous a délivrés des prophètes et des Baal. Il nous a délivrés de cette captivité. Ton nom change ce soir. Tu ne seras plus appelé Mara. Tu ne seras plus appelé Amen. Mais dans ton ventre sortira des nations. Il est le Dieu qui est vivant. Célébrons l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Oh bien aimé, supportez-moi, c'est la joie de l'Éternel. Amen. C'est la joie de l'Éternel qui déborde. Parce que bien aimé, lorsqu'on cherche Dieu, Dieu descend pour confirmer. Amen. Et je vais te dire, et ta lumière aujourd'hui, et ta lumière, le feu est allumé. Ta lumière aujourd'hui, chantons, le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé dans ta maison. Là où ils te voyaient, ils ne te verront plus. J'ai dit, là où ils te voyaient, ils ne te verront plus. Le feu est allumé. Chante Alléluia. Le feu est allumé. J'ai dit, le feu est allumé. Oh! Que ton feu, Jésus, brûle en moi. Oh! Brûle, consume mes ennemis. Brûle en moi. Brille en moi, brille en moi. Brille en moi. Sois dans la joie. Brille en moi. Brille en moi. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant le Seigneur? Là où tu es même à la maison, tu peux danser. La joie de l'Éternel déborde en nous. La joie de l'Éternel déborde en nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, l'homme de Galilée. Ouh, yes, ma fille Stéphie, danse avec moi, danse avec Dieu, la gloire des yeux. Ouh, ma Mireille, danse avec moi, chante avec moi. Ouh, gloire à Jésus. Arlette, sois dans la joie avec ton tonton. Pour toujours, hein? Saint-Esprit, descendez sur nous. Chantons. Alléluia. Le feu est allumé. Oh. Alléluia. Le feu est allumé. Oui, non, quand tu peux danser avec moi. Brûlant. Moi, Mireille, est-ce que tu peux chanter avec moi? Brûle en moi. 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 Que je devienne intouchable. Oh. Brûle. Que je devienne intouchable. Oh. Brûle en moi. Brûle en moi. Oh. Gloire à Jésus. Supportez un peu mon débordement. C'est la joie. C'est la joie. Brûle en moi. Oh. Brûle dans mon cœur. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Que la gloire lui soit rendue, notre Dieu. Attention, et le feu. Ouh. Descendu. Recevez. Est-ce que tu peux recevoir cette grâce de l'Éternel des armées? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'il soit béni, notre Alléluia. Dieu. Qu'il soit béni. Alléluia. Nous célébrons son nom. Bien-aimés,
Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à ce Dieu qui était le Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'était notre troisième jour. Amen. Donc demain, c'est le quatrième jour. Nous serons là, en ligne, à partir de 5h, heure de Londres, 6h, heure de Paris, 6h, heure de Bruxelles ou d'Allemagne. Nous serons là en ligne et à partir de 18h, bien-aimés, connectons-nous déjà à partir de 18h pile. Nous démarrons, comprenez bien-aimés, si nous débordons, c'est parce que nous sommes en état de jeûne et prière. Et quand l'Esprit de Dieu nous emballe, nous devons nous laisser. D'autres personnes croiront comme quand nous sommes des fous. Mais je préfère la folie de Dieu que la sagesse des sages. Donc demain à partir de 18h, et notre programme de jeûne continue. Notre programme de jeûne est un jeûne liquide. Tu peux prendre, tu peux boire quelque chose, tu peux prendre du lait, du café, accompagné de quelque chose pour que tu sois en forme. Mais le soir, comme on a fini, tu peux manger librement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que mon Dieu vous localise, qu'il vous fasse encore du bien. Amen. Notre rendez-vous, c'est demain, à partir de 18h, heure d'Angleterre. Que mon Dieu vous bénisse et bye bye. Au revoir, à très bientôt. Bye bye. Alléluia. Finis en bas. En bas de ce côté.